Hello les amis, welcome aux nouveaux, welcome back aux anciens. Alors aujourd'hui je vous emmène avec nous dans un parc, c'est le parc des oiseaux qui se situe dans l'Ain. Voilà, et la ville c'est Villars-les-Dombes. Alors dans un premier temps on va visiter le parc, voilà une petite visite. Dans un second temps on va assister au spectacle des oiseaux, vous verrez c'est féerique. Je me demande bien comment ils ont arrivé à dresser tous ces oiseaux. Je vous laisserai regarder la suite, vous allez voir, c'est magique. Et en troisième lieu, nous allons jouer les Robinson Crusoe ou encore les Jack Mimoun. Voilà, à vous de choisir. Mais je vous laisserai en mode mission 007 ou 004. Voilà, on ne sait pas. Mais bon, je vous laisserai apprécier, on a passé un très bon moment, à savoir que c'était la canicule, voilà, cette période c'était la canicule, donc il fallait bien s'hydrater, boire beaucoup beaucoup d'eau, et je vous laisse contempler, merci. Mais la sécheresse. Grâce à ces trois mètres d'envergure, que le marin apparaît dans toute sa majesté. Marabou. Ça fait une ode, mais. Ça fait une ode, regarde, regarde. Attends, c'est la ville, là, il arrive. Là, waouh! Ça va revenir. Chasse, marchant lentement dans la végétation basse, à la recherche de reptiles ou de petits vertébrés. Tu me sens pas en vue? Ces proies sont capturées avec le bec, puis frappées sous le sol avant d'être avalées. Charbonnière. Je suis derrière. Je suis derrière, madame. N'ayant pas de prédateurs naturels, l'urubu noir est le parfait exemple des oiseaux bien adaptés à l'impact des hommes sur la nature. On va y aller un guéri. On se paraît dans l'arche de Noé. Et c'est avec cette explosion de cris, ce tourbillon de couleurs, que s'achève notre voyage dans les airs. Il est maintenant temps pour nous de vous remercier de votre attention et de vous souhaiter une bonne journée au Parc des Oiseaux. Merci et à bientôt. On attend que les gens sortent. Yeah.
Il y en a qui veulent se prendre un oiseau. Mmh. Mmh, c'est ça.